Elle est venue du village pour aller à l'école. Mais une fois ici, ça a été compliqué. Excuse-moi, tu n'as pas vu ma petite Mina là? Dis, tu as de sa nouvelle? Mais c'est quand même étrange, non? Et ta nièce, tu l'as retrouvée? Où est donc Mina? Cette petite fille-là t'a donné quoi, mais tu forcément la retrouver là? Tu ne la connais même pas. Tu me prends pour qui? Hein? Comment tu peux être aussi irresponsable? La petite m'a tout raconté. C'est fini pour nous aujourd'hui. Je suis venue chercher la petite. Et puis ouvre-moi la porte. Non, non, pardon, faut la laisser, tu vas la tuer. Yo, yo, écoute-moi très bien. Cette fille-là, tu vas te débarrasser d'elle. Son corps est rempli de ta colère. Elle semble être l'interrupteur de ta misère. Tes muscles lâches s'écoulent sur son petit corps. Et tes cris de fauve endettés qui éveillent la mort. Son souffle amaigri n'a plus qu'un œil. Son âme est déjà prête pour le linceul. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Arrête de suer le nom de la famille. Monsieur, Yeri, faut gagner le temps. Nous allons continuer les barres. Pardon, faut gagner. Faites-moi venir la petite Mina, tout de suite. Je dis tout de suite.